défense commence à paniquer. Oula, je commence à voir les phares. Il y a le titan qui vole juste au-dessus, tranquillou, posément. Attention, le choc dans 3, 2, 1. Ah! Eh bien salut à tous les amis, c'est Virtuos, j'espère vraiment que vous pétez la forme. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve sur GTA 5 Online avec notre petite amie Stewie. Comment tu vas? Bonjour, bonjour, je vais bien et toi? Ouais, ça va super. Donc on se retrouve pour un tout nouveau test avec notre petite amie Stewie. Vous avez grave kiffé notre petite amie Stewie sur le test d'hier. Donc j'espère que celui-là va vous plaire et c'est encore une nouvelle fois Stewie qui va nous faire la présentation de ce test. C'est à toi. Donc aujourd'hui on va voir à combien de balles de sniper dans la tête la tenue cuirassée résiste. Donc on parle de la tenue à 500 000, pas de la tenue glitchée. Voilà, la tenue que je possède actuellement qui a été larguée sur la gueule de Stewie. la tenue elle a été larguée sur sa gueule, il est tombé par terre, c'est n'importe quoi. Enfin bref, on va faire ce test là. Mais par la suite on fera aussi un test avec le centre de commandement. On va envoyer le centre de commandement directement sur la tenue de cuirassée pour voir si elle est capable de résister, si elle perd la vie, etc. Sachez que il va y avoir un laps de temps entre le moment où on va envoyer le centre de commandement sur le cuirassé et le moment où il va m'envoyer les balles dans la tête, puisqu'il y a 15 minutes entre le moment où je perds la tenue et où je peux la recommander. Donc du coup voilà, petite précision. Eh bien, écoutez, on va commencer. Stewie va se faire un grand plaisir de m'envoyer des headshots dans des balles de sniper dans la gueule. Allez, c'est Stewie qui va les compter pour voir combien de balles il faut mettre dans la tête d'un cuirassé pour pouvoir le buter. J'espère vraiment que le test va vous plaire. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous n'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu et à me donner d'autres idées de tests à faire dans l'espace commentaire avec notre petit ami Stewie. Eh bien écoutez, c'est parti. Vas-y, première balle. Une. Ok, donc là j'ai perdu la vie. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 8, attends. 8, j'ai perdu les 3 quarts de ma vie, 9, je suis dans le rouge, 10, je suis dans le rouge, 11, 12, il faut 12 balles. 12 balles dans la tête du cuirassé pour pouvoir le tuer. Donc finalement, laissez tomber le sniper s'il y a un cuirassé face à vous. Hein. Laissez honnêtement tomber, ça ne sert plus à rien, puisqu'il faut mettre 12 balles, ce qui est assez énorme, je trouve. Regardez, là, il faut que j'attende encore 14 minutes pour pouvoir commander ma nouvelle tenue. Bah écoutez, on va attendre les 14 minutes de notre côté avec notre ami Stewie, et on se retrouve juste après. Bien heureux les amis, nous sommes maintenant avec notre petite tenue de cuirassé. Notre petite amie Stewie est déjà là-bas, prêt à me foncer dessus avec le centre d'opération sur cette tenue cuirassée. Si jamais le centre de commandement ne tue pas la tenue de cuirassé d'un seul coup, ou qu'elle me retire très peu de vie, on testera un autre chose avec le lance-roquette et j'en passe juste après. Écoute Stewie, bah tu peux y aller, hein. Vas-y, fonce-moi dessus. Fonce-moi, appuie sur ce putain d'accélérateur et nous donne le cadeau. Vas-y, vas-y. Pas très rapide. Je dois arriver mais tout doucement là. Je devais arriver tout doucement. Ah, je commence à voir des phares. Je commence à voir quelques phares là. Là, je commence à paniquer. Oula, je commence à voir les phares. Il y a le titan qui vole juste au-dessus. Tranquillou, posément. Attention, le choc dans 3, 2, 1. Ah! What? Oh, je suis même pas mort. J'ai perdu quoi? Allez, on va dire un petit peu plus d'un quart de la vie seulement. Genre, seulement. Mais, je te jure, j'ai perdu seulement un petit quart de la vie. Un petit peu plus qu'un quart, mais j'ai pas perdu beaucoup de vie, hein. C'est n'importe quoi. Attends, on va tenter un autre truc. Ah ouais. J'ai quasiment pas perdu de vie. Attends, est-ce que je peux reprendre ma vie? Ça, c'est une question très importante. En cas ne sont pas disponibles quand vous avez l'équipement cuirassé, ok. Par contre, je peux prendre une protection. Je peux me mettre une protection alors que je suis déjà en cuirassé, c'est le truc qui est logique. Bah écoutez, on va tenter maintenant avec le lance-roquette, voir s'il peut me tuer avec le lance-roquette du premier coup avec cette tenue, alors qu'il me reste un peu plus de 3 quarts de ma vie, on va dire ça comme ça. Vas-y, tiens-moi dessus. Attends. Vas-y. Vas-y. 3, 2, 1. Même pas. Attends, je brûle. Est-ce qu'on peut brûler? Est-ce que je peux brûler? J'ai pas l'impression, moi. Est-ce qu'en brûlant, je peux perdre de la vie? Ah si, en fait, je crois que tu perds un petit peu, non? Je perds un tout petit peu.
Mais vraiment un tout petit peu, hein. Ouais, là tu vas quand même mourir du feu, je pense, à mon avis. Ah ouais, non, mais c'est chaud là. On a l'impression de se retrouver devant le Titanic. Tellement c'est lent. Non, mais je te jure. Ok, bon. Alors, pour conclure, il faut 12 balles de sniper dans la tête pour pouvoir tuer le cuirassé. Je dis bien dans la tête. Alors imaginez, dans le reste du corps, combien de balles il en faut. Le centre d'opération, même à toute vitesse, n'est pas capable de tuer le cuirassé du premier coup. Un lance-roquette n'est pas capable de tuer le cuirassé du premier coup. Il lui retire à peine la moitié de sa vie. Donc il faudrait 2 roquettes pour pouvoir tuer le cuirassé. Écoutez, je sais pas ce qu'on pourrait utiliser d'autre pour pouvoir tuer le cuirassé du premier coup. Si vous avez des idées, bah, n'hésitez vraiment pas à nous les donner dans l'espace commentaire. Et là, on a pensé à un petit truc avec Stewie pendant que ma tenue de cuirassé était larguée. C'est qu'il y a un avion qui largue la tenue de cuirassé. Dites-nous si ça vous intéresserait qu'on regarde un petit peu où va l'avion une fois qu'il a largué la tenue de cuirassé. On prend nos avions et on le suit avec notre petit Stamy Stewie ou même avec Cédric et Stewie. Dites-moi si ça vous intéresse dans l'espace commentaire. Bah écoutez, merci à tous d'avoir regardé ce test, merci à tous de l'avoir suivi. Ça fut un plaisir de pouvoir vous le présenter, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. Stewie, est-ce que t'as passé un bon moment avec moi? Un très bon moment même. Voilà, on s'est plus fait chier à attendre que la cuirassée revienne plutôt qu'à faire un test. Mais bon, c'est pas très grave. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit partage et vous abonner à ma chaîne si vous êtes nouveau ou nouvelle. Et nous, on se dit à la prochaine. Allez, bye tout le monde. Ciao, ciao.